Monsieur Anastasio paie bien entendu un état de récidive qui a été retenu contre toute attente. De notre côté, mon client se demande s'il va effectivement relever appel ou non de cette décision pour qu'on puisse se présenter devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Au demeurant, ce dossier ne méritait pas des sanctions à une telle hauteur dans la mesure où nous ne sommes pas dans un dossier de violence. Très lourde peine, le maximum légal encouru a été prononcé à l'endroit de mon client, M. Toussaint Aquavive. Une peine de 7 ans qui est complètement disproportionnée, en inadéquation avec le dossier. Étant donné que nous sommes au maximum encourus, je vais voir avec mon client, mais j'imagine que celui-ci forme déjà le vœu d'interjeter appel de cette décision.